est là pour une association qui s'est créée autour de moi au tout début, en tous les cas de ma maladie, puisque j'ai eu un cancer déclaré il y a 2 ans. Voilà, aujourd'hui encore pour notre association qui ne vise pas seulement les gens malades, mais qui va permettre, je l'espère, d'aider encore de nombreuses personnes qui traversent des moments de vie tout simplement difficiles, les emmener dans une aventure folle, histoire de reprendre les rênes de leur vie. 10,5. Tu as été opéré d'un cancer du sein ? Ouais. En quelle année ? Il y a un an et demi. Un an et demi. Merci, bon courage. C'est parti, j'ai 1 kg de moins que vous, Emma. Ouais, c'est cool. Aller plus loin, chaque jour, et passer la banderole et terminer finisher. On vous envoie un jour magnifique pour nous tous. On a lâché tous nos enfants et on en a 6 en tout là, 3, donc ouais, on les a lâchés. On vit une super aventure, ils sont super fiers de nous. C'est un bel exemple qu'on va leur montrer aussi. Je pense qu'il faut exister par soi-même et puis faut exister dans les yeux de ses enfants aussi. Et pas seulement en tant que maman, mais en tant qu'autre chose aussi. Et je pense que là c'est un beau, un joli challenge et une jolie aventure et une belle image qu'on leur donne, en tous les cas, j'espère. Bon marathon sans H, maman. Donc soutien à fond et c'est génial. Petit porte-bonheur qu'on a tout pris avec nous. Et puis voilà quoi. On a hâte de leur montrer tout ça et de passer à une d'arrivée, de leur montrer qu'on a été au bout quoi.